Yo les mecs, c'est Nintendra, j'espère que vous allez bien, on va se super bien. Aujourd'hui on fait l'épisode 3 de Mario 64 sur Mario 3D All-Star. Toujours avec des si beaux graphismes, moi je vous jure, je les trouve incroyables. Sinon il y a un mec qui m'a dit dans les commentaires de ma dernière vidéo que j'avais bien vu les graphismes, les différences, mais qu'il m'avait dit que si je jouais sur une Nintendo 64, bah j'aurais mieux vu les graphismes, donc il a pas tort sur ce coup là, parce que bah c'est vrai que la Nintendo 64, les graphismes sont pas non plus ultra beaux. Mais sinon j'avais pu voir que j'avais fait un copier-coller, c'était au cas où si je supprimais sans faire exprès. Et là on va faire le truc où on va récupérer le chapeau ailé. Voilà, bienvenue, voilà. Et en fait ici si tu récupères les deux premières pièces rouges, ça fait gagner du temps. Ok, bah j'ai foiré, donc je peux pas les récupérer après, là c'est trop tard. Oui, c'est vrai, c'est inversé. Faut s'y faire. Car comme je me suis un peu entraîné sur certaines étoiles hors vidéo, bah ça fait que je me suis rendu compte de certains trucs. Bon, je vais essayer de récupérer... avec toutes les... Apparemment, j'ai pas de chance. Allez, nouvelle tentative. Mince. Oui. Oh. Non, attends. Attends, je crois que c'est possible. Wouhou ! C'est possible ! Bon. Et voilà. Et en fait, les blocs, ça permet d'avoir des ailes comme j'avais avant. Bon, flemme de revoler, donc voilà. Et maintenant, on va aller dans le niveau de la forteresse de Romp, qui est mon monde préféré. Voilà. Mince. Bon, pas grave. Là, il y a... On va récupérer les étoiles. Donc là, la forteresse de Romp. Voilà. Mince. Car si tu passes ici, en fait, ça fait gagner du temps. Sinon, la route normale, elle est beaucoup plus longue. Et il y a des Romp, voilà. Et là, il y a une petite technique que pas mal de gens connaissent. Mince, c'est pas comme ça. Tu te mets comme ça et là, voilà. Voilà. Et quand tu te mets ici, voilà. Je peux placer pile au bon endroit pour récupérer l'étoile. L'étoile numéro 22. Donc là maintenant, on va récupérer l'étoile que tu as au même endroit que... Et là, je vais vous montrer la route originale en fait. La route originale, normalement, tu fais un truc comme ça. Tu fais un truc comme ça, tu... Tu prends le truc comme ça, mais pour les plus forts, tu vas comme ça. Ensuite, tu croises des groupes. Ils sont quand même pas très très beaux. Sinon, le bug, il est encore possible. Mais t'es pas obligé de... Voilà, et en leur sautant dessus, voilà. T'as ça. Et ensuite, tu grimpes ça. Comme ça, comme un escalier, en fait. Mais en speedrun, on se fait pas ça, en fait. En speedrun, le speedrunner, il fait ça. Fait un triple saut. Mais bon, j'ai la flemme de le faire. Sinon, il y a un truc comme ça qu'on peut faire aussi. Bon, c'est beaucoup plus facile. Mais
Mais il faut déjà bien se placer, car si tu te places très mal, tu peux pas réussir la technique. Il faut réussir à sauter au bon moment. Et ensuite, tu... Mince ! Comment je me suis fait avoir ? Non, attends. Bon, ok. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des barres de vie, car sinon tu fais une chute ou tu fais toucher par un Goomba, bah voilà quoi, c'est un peu naze. Bon là, on va récupérer l'étoile du canon. Mince ! J'avais un mauvais angle. Oh non, le mauvais angle. La mort la plus stupide de Mario 64. Clipez ça. Mais sinon, normalement, il faut prendre le canon et bien viser. Mais comme moi, je suis un thug, bah, j'y vais comme ça. Et de base, c'est pas facile comme ça, je vous le dis. Tu te places comme ça, et là. Alors que moi, normalement, je me mets comme ça. Mince. Normalement on fait comme ça, moi j'ai pas respecté le jeu, j'ai fait un saut normal. Et de base un saut comme ça c'est pas facile du tout. Canon vers les cieux. Ok, bon. Donc on peut pas y aller avec un kick. Bon, maintenant on va récupérer les pièces rouges et les 100 pièces. Mince. Mince. Donc là, je vous montre un peu la route que font normalement les speedrunners. Et ensuite, ils font ça. Ils allument ça. Pour ensuite aller à gauche. Et ils font encore ça. Mais pour éviter l'étoile. Et ils font ça. Bon, moi, ensuite, je fais ça. Attendez. Alors, ce que je viens de faire, c'est pas facile de base. Même si c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Bon. Mince! Bon. Nouvelle tentative. En même temps, j'avais déjà fait des speedruns hors vidéo. Donc, c'est pour ça que je connais bien les techniques. Oh non! Bon. Non, il y a une autre technique, tu y vas comme ça. Bon. Bon, elle est pas facile. Ah. Bon, on retente. Bon, allez, flemme, on va faire une autre technique. Oh non! Bon. Oh non! Bon. Voilà. Mince. Bon, on a eu pas mal de fails, mais c'est rien. C'est pas non plus des gros fails. Bon, pour le moment, dans le jeu, on a eu 2 morts. Mais je sais pas si on fera Mario Sunshine et Mario Galaxy. De toute façon, c'est moi qui choisira. Hein, c'est... Qui choisira... Oui. Sinon, là, normalement, il faut le hibou, mais... Si t'as du skill, tu peux faire ça, mais sans le hibou. Bon, moi j'en ai, mais
Faut qu'il vienne, le skill. Oh, non! Je suis allée trop vite. Bon, là, j'ai pas réussi. Attendez. Au cas où, faut de la vie quand même. Et normalement, quand tu te mets comme ça... Bon, ok. Dernière tentative. Oui, j'ai réussi. Here we go. Et là, maintenant, il y a une autre étoile. Donc là, il y a deux techniques pour la faire. Soit une technique normale. Soit une autre technique en speedrun qui est pas non plus ultra facile à faire, mais bon. Canon vers un mur, voilà. Bon, j'avais la flemme de récupérer l'arbre pour ne pas que le hibou il me dérange. Bon, apparemment, voilà. Ok, bon, j'ai pas de chance. Voilà, comme ça, et ensuite, tu te mets là, tu fais un truc comme ça, tu donnes un coup de poing, tu fais ça, et normalement, tu récupères l'étoile. Sinon, tu fais ça avec un canon, mais voilà. Je pense que pas mal de gens connaissent cette technique, mais celle-ci... Mais voilà, je voulais vous montrer que la technique du speedrun... Bon, là... On va faire l'étoile des 100 pièces dans ce niveau et les pièces rouges. Parce qu'on l'a pas fait. Voilà. Canon vers l'île perchée. On va prendre la caisse au cas où. Mais bon, comme je suis bien renseignée sur le jeu, bah je connais pas mal des techniques, je vous l'ai dit. Et là, on va tuer tous ces Goombas. Méchants Goombas. Mince. Non. Bon. Allez, on y va. On continue. Oh, je passe avec le petit bobombe qui passe. Bon, j'espère pas perdre mon pouvoir d'aile. Oh, pas grave. Bon, au moins ça va. Allez, bon. Là, on utilise le canon et on vise. Comme ça. Allez, l'objectif, c'est d'avoir au moins 66 ou 67 pièces. Bon, cette étoile-là, c'est quand tu récupères les 5 pièces au centre des ronds de pièces. Je peux dire ça comme ça, des ronds de pièces. Ouais, chelou. Bon, s'il te plaît, ne meurs pas. Mario, je te fais confiance. C'est bon. Bon, au cas où, pour ne pas mourir, ben... Allez, on y va. On va récupérer d'autres pièces quand même. Et là, il y a une autre pièce rouge qui se trouve par ici.
C'est cette pièce rouge là. Non, je l'ai pas eu. Pas grave, on va l'avoir. Je sais pas si c'est possible de l'avoir comme ça, mais j'ai l'impression que non. Bon. Bon, sinon. Alors là, j'ai pas intérêt à faire le fail de ma vie. Bon. Allez, on y va. Bon, la musique était assez stressante quand même. Et normalement, quand tu fais le tour de ça... Attends, il y a un bug là. Pourquoi ça? Avant que j'ai déjà récupéré, je m'en suis pas rendu compte. C'est ça, c'est bizarre. Hein. Ah. Bon, je vais retenter parce que je pense que c'est un bug. Ah oui, c'est un bug. Bon, je vais quand même récupérer une autre pièce, hein, pour le plaisir. Et normalement... Bon, j'ai pas réussi à faire ma technique, mais bon. Il y a une autre technique sur ça. Bon. Allez, dernière étoile de la vidéo, celle-ci. Et dans la prochaine vidéo, on récupérera les deux autres étoiles de ce monde. Et donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, vous connaissez la recette. Et moi, bah voilà, je vous dis bye, tout simplement.